Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 23 et pour une fois les gars, on n'est pas en club pro, je pense qu'on est arrivé à la limite de ce mode de jeu, même si je vous proposerai quand même les créations de joueurs que vous aimez bien, les compilations et bien sûr quand on a des beaux matchs contre les mondiaux, c'est l'essentiel. Mais sinon, après le reste, ouais, je vous proposerai quand même également la conception de, enfin, des idées de maillot à faire, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être lancer un concept à côté, surtout que c'est un concept que vous aimez bien et que vous m'avez réclamé, c'est la carrière joueur, les gars. Je me suis tâté durant toute l'année à la lancer et là je me suis dit que c'était le bon moment, j'en ai envie et je me suis dit également qu'on allait faire comme ce que font les youtubeurs en ce moment, la carrière avec la caméra pro, donc vous savez, c'est sur le joueur, pour rendre ça un peu plus réaliste. Donc je le faisais à l'époque, ça va me rappeler de bons souvenirs. Et en plus de ça, je trouve que c'est beaucoup plus immersif. Donc on va partir là-dessus, les gars. Je vais mettre buteur, je vais pas faire la même erreur que l'année dernière où j'étais MOC. Mais si c'était pas moi qui marquais, personne marquait. Malheureusement, c'est un petit défaut, ça je trouve, de la carrière. C'est pas grave. On va y aller comme ça, donc créer un nouveau joueur. Bon, on va en prendre un au hasard. Je vais le faire vite fait, les gars. On se retrouve dans pas longtemps. Ok, voici mon joueur, les gars. Il est assez atypique. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, déjà, numéro 24, vous connaissez mon chiffre préféré. En plus, ça fait un petit peu jeune joueur. Italien, vous verrez après pourquoi. Date de naissance, franchement, je n'ai pas changé. Hein. Je le sais comme c'était. Et Jeffrey dans le dos. 1m86, 89 kg. Donc j'ai pris ma base sur mon joueur club pro. Au moins je suis lenti. Et en plus, ben, ça changera le profil de joueur que j'étais l'année dernière. Là, je serai plutôt assez grand. Et je pourrais reprendre les centres. Du coup, buteur, gaucher, comme d'hab. Visage, j'ai mis quelques trucs vite fait pour changer un petit peu d'un visage basique. Et la coupe de cheveux assez spéciale, c'est celle-là, les gars. Je sais qu'elle va faire parler. Mais au moins, vous pourrez me reconnaître sur le terrain, ça c'est sûr. Un jeune joueur, à la El Shaarawy, un peu on dirait. Avec un blond bien clair et une barbe naissance. Ensuite, au niveau du maillot, j'ai juste serré. J'ai mis les crampons Adidas X Speedflow Plus. Donc, pas mal du tout. Et en célébration du calme, on se fait plaisir, les gars. On ne peut pas la faire en ligne. Donc, autant se la faire en ligne en carrière. Donc, on va partir sur ça, les gars. Hop, suivant. On est bientôt parti pour cette aventure qui s'annonce très mouvementée. Et le club que je vais choisir, les gars, on va partir, vous l'avez deviné, du côté de l'Italie en série BKT, donc la deuxième division italienne. J'étais déjà parti en Angleterre du côté de Sunderland il y a 2 ans. L'année dernière, c'était du côté de l'Allemagne à Schalke. Et je me suis dit qu'on allait continuer tout ça du côté de l'Italie. Et le club que j'ai choisi, les gars, je l'ai choisi surtout pour le flow, on va pas se mentir, mais aussi parce que je trouve ça stylé. Il n'y a pas forcément de signification particulière à part ça. Il est bientôt là, c'est Venise. Donc voilà, max de flow, ça c'est sûr. Est-ce que ça va suivre sur le terrain? Je sais pas. En tout cas, l'objectif c'est de les faire remonter en Serie A parce qu'ils y étaient l'année dernière, mais malheureusement ils sont déjà descendus. Donc à nous d'y aller. On a l'air de jouer en 5-3-2. Donc vraiment, ça va être full Aqua Boulevard, les ballons, comme dirait Mbappé. Hop là, Venise. Donc, période de transfert, on est OK. Difficulté, on va mettre ultime pour que ce soit bien compliqué comme il faut. Parce que légende, c'est trop facile, je pense. En tout cas, l'année dernière, on avait mis ultime. C'était déjà trop facile. Donc, à mon avis, on va laisser comme ça. La durée souhaitée. Je pense qu'on va mettre 5 minutes. Ça me paraît pas mal. Un peu plus court, c'est peut-être un petit peu mieux. Au niveau des devises, on reste en euros. Compétition européenne activée, bien sûr.
et négociation souple. On va pas changer. Pas de coup de pouce financier. Continuez. De toute façon, hein, c'est pas une carrière manager, donc ça va être compliqué le coup de pouce financier. Je vais pas me servir de l'argent. Le football, pourquoi nous l'aimons? Ok, une petite citation. Créer une nouvelle carrière. Hop. Carrière. Jeff Reyes. On est OK avec ça, les gars. Maintenant, on va aller faire les petits paramètres, que ce soit la caméra et les petits ajustements. Ok, il y a une petite animation de début. Peut-être que je vais arriver à l'entraînement. C'est vrai que j'ai pas trop regardé les carrières cette année. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des petites nouveautés. Ok. Je veux Ah. simplement profiter de ce moment pour accueillir les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Ah bah bah. Putain, la coupe Donnez des tout ce que vous cheveux. avez et vous aurez une chance pour le prochain match. Oh, stylé. Bienvenue à tous. Bon, pas sûr qu'il parle français comme ça en Italie, mais on va faire comme si c'était normal. Ça aurait été bien, en vrai, qu'ils auraient fait un petit Amigo, accent ou c'est quoi, à mais... toi maintenant. Ah, ok. Pas sûr que ce soit italien non plus, amigo, mais en tout cas, c'est à moi. En vrai, il est stylé, les joueurs, les gars. On va voir ce que ça va donner. Alors, activité, décision. Pendant la saison, vous pouvez participer à de nombreuses activités qui définiront votre style de vie en dehors des terrains. Shopping et investissement. Dépensez votre salaire chèrement gagné pour vivre dans le luxe, améliorer vos compétences ou vous engager socialement. Vous pouvez aussi investir pour gagner encore plus. Putain. Récompense. Lors de certaines activités, vous obtiendrez des points de personnalité. Choisissez les activités pour vous aider à définir votre personnalité sur le terrain et en dehors. Ok. Il y a pas mal de choses qui changent. C'est vrai que j'avais entendu qu'on pouvait apparemment acheter des trucs en dehors du terrain. Saluer les coéquipiers. Là, on a quoi? La boutique, acheter un trampoline, réserver un cours de danse, payer les frais de transport, acheter un matelas hybride, acheter une loge VIP. Putain, il y en a des trucs. C'est quoi ça? Acheter un vélo de gomme. Mais attends, j'ai déjà de l'argent. Ah ouais, non, zéro, ok. C'est marqué en haut à droite, si vous voyez pas. Et oui, je vais prendre une piscine alors que je peux même pas me payer un salaire. Un salaire, un appart. Putain, ben, il y en a des nouveautés. Alors, dire que vous êtes prêt. Motiver les coéquipiers. Travailler dur dès maintenant. Envoyer un message au groupe de discussion des joueurs en disant que vous avez hâte. Ok, dites sur les réseaux sociaux que vos coéquipiers savent que vous êtes prêt à les défier. Bah écoutez, on va se mettre virtuose. Ouais, je sais pas du tout ce que ça donne, les gars. Ce que ça va faire, ok, juste ça me donne les points. Il faut pas la faire forcément, l'activité, d'accord. Ah, peut-être, non? Non, ok. Ok, bon, mais j'ai choisi ça, pardon. Ensuite, notre manager, bon, ça on connaît. S'il nous aime bien et qu'on fait de bons résultats, on jouera titulaire. Améliorer là avec les entraînements et les objectifs à match, bien sûr. Et essayer d'être sur la feuille de match. Ok. La personnalité, ils nous ont expliqué un petit peu ce que c'était. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Je sais pas. Peut-être. Et bonus attribut. Ok, bon, de toute façon, on verra en temps et en heure. Pour l'instant, on est 100% virtuose. C'est normal, on n'a qu'un choix. Ok, on va quitter ça. Nous voici avec ce maillot de Venise. Bon, je le trouvais peut-être plus beau l'année dernière, mais il est pas mal. Numéro 24. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on va jeter un coup d'œil un petit peu à toi avant de continuer, je pense. Donc, classement, on est là. Ok, là, on est en Coupe européenne. On a des beaux clubs contre nous. Elche, Everton, Stuttgart. L'entraînement, les gars, l'entraînement, franchement, je vais pas les faire. On va laisser faire comme si je progressais sans les entraînements. Au moins, ça va moins vite. Je pense que ce sera mieux. Ensuite, là, on n'a pas grand-chose. Peut-être des mails. Non. Ok. Bah écoutez, ça m'a l'air d'être bon. On va juste mettre les paramètres juste avant que j'oublie. Donc, ultime, 5 minutes. Mode challenge, non. Parce que sinon, ils vont jouer comme des joueurs FIFA. On préfère
qui joue comme enfin normalement, c'est beaucoup mieux. Ça, on s'en fout. Vitesse du jeu par défaut. Donc nous, c'est dans caméra. Et dans caméra verrouillée sur le joueur, non? Ouais, je crois. Ok, pro. Normalement, ça devrait être bon. Cheaté pour les matchs solo et hors ligne, à l'exception des matchs verrouillés sur le joueur. Ok. Attention, là, j'imagine qu'on. Ouais. Je sais pas. Ben, écoute, on va les mettre à tout. J'ai peur que ça la mette pas, sinon, on sait jamais. On va laisser en joueur solo et en caméra verrouillée sur le joueur. Et on devrait être bon de ce côté-là. Ça, c'est quoi après? Ok, ça, on s'en fout. Voilà. Ça, c'est bon. Bah, après, côté paramètres, on est bon. Bah, écoutez, les gars, on va continuer et voir un petit peu où tout ça nous mène, j'ai envie de vous dire. En tout cas, je suis content de refaire une carrière et je vois qu'il y a pas mal de nouveautés, donc ça fait plaisir. J'espère que ça changera également dans le jeu par rapport à l'année dernière. Parce que dans les autres modes de jeu, c'est pas fameux. Everton, on sera sûrement remplaçant. Ouais, remplaçant. Ok, qu'est-ce qu'on a de nouvelles infos? Nous, on est là. Ouais. Jeffreys aura à cœur de briller pour son pays et son club. Exact. On va y aller pour ce premier match. Ça, on connaît, les gars, pas de problème. On va contrôler Jeffreys. On rentre à la 76e minute. On mène 1-0 face à Everton et on rentre en tant que ATG, du coup, buteur gauche. Et je pense que la compo, c'est comme on l'avait vu en 5-3-2, à mon avis. Du côté d'Everton, il y a du beau monde. Donc, il va pas falloir se rater pour nos débuts. Objectif du match, on a vu, on a compris, merci. On est parti. Les supporters. Allez, mon entrée pour ma première. Obtenir une note de 6,5. Atteindre un taux de réussite des dribbles d'au moins 30% et cadrer un tir. Écoutez, on va mettre cadrer un tir, je le sens bien. Hop, on est parti. Pour ce match, la caméra qui fait plaisir. C'est assez spécial. Je vais peut-être mettre du temps à m'adapter, les gars. Je ne sais pas si ça montre bien le ballon partout, mais j'ai l'impression. Donc tant mieux. On y va. Faut pas laisser frapper. Ok, mon premier ballon. La remise. Je repars direct. Ok. Je choisis d'aller sur le côté. J'ai pas trop de vitesse. Même pas du tout. En tout cas, ça m'empêche pas d'accélérer. Je vais rentrer dans la surface, le petit centre au premier poteau. Dommage. Ok, on s'appuie. On repart. Allez. Aïe, aïe, aïe. Putain, compliqué d'y aller là-dedans. Allez, je vais au pressing. Allez, la récupération. Dommage. Mais c'est pas grave, on les fait reculer un petit peu, c'est déjà ça. Je vais le prendre directement. Ok, la récupération. Cette fois-ci, elle me reste dans les pieds. Je peux pousser la balle. Allez. La fin de frappe. Oh, je l'avais pas vu arriver. Putain, mais c'est dur de voir qu'il y a des ressauts. C'est compliqué cette caméra. Hein. Dernière minute, faut tenir, les gars. On se jette pas. Quelqu'un. Je l'ai. Oh non, je l'ai remise. On se bat tous. Tu l'as. Je te fais confiance. Ok, la mets devant. Et la victoire. Pour mon premier match, les gars, j'ai joué 15 petites minutes. Mais franchement, on a proposé 2-3 trucs. Pas mal du tout. Une petite serve percée. J'ai failli frapper à un moment donné, mais il m'a bien rattrapé. Et du coup, on l'emporte. Ok. Leicester qui a perdu face à Elche. On y va. Tout le monde est content. C'est parfait. Ok, les attributs, ça aussi on connaît. Putain, je les ai pas mis, merde. Ah, ok, ben, il fallait les mettre qu'à partir de maintenant. Donc déjà, on va mettre la vitesse, les gars. C'est un truc de fou comme je suis lent. On va se mettre deux accélérations comme ceci. J'hésite à en mettre trois. Bah, écoutez, on met tout dans l'accélération pour le moment. Parce que là, c'est vraiment mon défaut, je pense. Même si je suis pas technique non plus. Il faudra que j'améliore ça. Les atouts également.
Donc à tout, on va se mettre renard. Ben, de toute façon, c'est ou ça ou un truc défensif. Donc renard. Les tirs dans la surface sont plus efficaces. On en aura besoin. Ben, écoutez, première rencontre qui s'est très bien passée. David Garcia qui signe à Barcelone. Je ne sais pas du tout qui c'est. En tout cas, bonne chance à lui. On va continuer directement. J'ai pas l'impression qu'on ait de mail, les gars. On va voir ça. Ah oui, un petit mail pour le club et le pays. Ouais, ok. Bon, c'est. On sera peut-être sélectionné un de ces quatre. Et le manager qui me souhaite la bienvenue. Donc, merci à lui. Et j'espère ne pas le décevoir. Allez, second match, les gars. Leicester, 2 jours plus tard seulement. Et on est toujours remplaçant. C'est normal. Au moins, c'est réaliste pour une fois. Donc, ok, milieu central. Oh non, ça va pas recommencer ces bugs. Qu'est-ce que je fous milieu? Mais c'est pas possible. Ok, en plus, on perd 1-0 et pareil, je joue même pas 15 minutes. Putain, c'est fou de rentrer milieu. Ça, je comprends pas du tout. À la rigueur, si je serais polyvalent, mais là, le mec il arrive, il est jeune. Et ce qu'on lui demande, c'est d'être milieu. On va voir si sur la compo je suis vraiment comme ça. On peut pas. Ok, bon, apparemment je suis milieu. Ouais, MCD, il y a marqué. En tout cas, j'aurais peut-être une occasion là-dessus. Ouh là là. Oh là là, la tête. Et on pousse pour l'égalisation. C'est bien, c'est pas mal. On est passé MCG. Non, ok, MCD. Allez, le corner. Qu'est-ce qu'il est mal tiré. Va falloir que j'aille défendre du coup. Ouh là 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 là. Écarte sur moi, vas-y. Allez. On lui met. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Pas de gris-gris maintenant. Oh. Ok, je l'ai. On est passé avec beaucoup de chance. Je la mets en retrait. Il est tout seul! Et la passe D. La super passe D pour l'égalisation, les gars. Magnifique, je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, je lui rentré dedans, ouais. Et après, je lui mets l'extérieur du 3. Putain, il faut y aller hein, pour la mettre extérieur du droit ici. Beaucoup de lucidité, c'est dedans, les gars. On va chercher cette victoire. On est parti. Attention. Ok, on les fait reculer un petit peu, c'est pas mal. Allez, quelqu'un. Oh non, l'encaisse. Aïe, 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 aïe. Bon, j'ai mal défendu, mais bon, à la base, c'est pas du tout mon poste. Hein. Ah, putain. Ça va être dur là de remarquer. On va voir un petit peu. Là, on touchait pas du tout la balle. Et c'est Maddison qui vient conclure cette action. Ouais, compliqué de la prendre pour le gardien, celle-ci. Et en plus, ils ont l'air motivés. Donc, à nous de leur montrer que c'est pas fini. Ok, c'est pour moi. Je le fais partir. Allez. En retrait. Super. La même qu'avant. Oh là là. Cette fois, il anticipe le gardien. Putain. Bien, bien. Allez. Un beau corner. Mais pour qui ce centre? Putain, allez. Oh non. Aïe, 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 la contre-attaque. Non, ils ont l'air de revenir. C'est maintenant. Ok, je l'ai. Cette fois, je vais pas le feinter. Je vais essayer de tirer, je pense. Je la tire. Putain, ouais. Non, franchement, inutile de tirer d'ici. J'aurais vraiment dû revenir en arrière. Attention. Ok. Oh, putain, dommage. Défaite de buts à 1. J'ai eu mon face-à-face. Je l'ai raté. Donc, un petit peu ma faute. Mais bon, je pense que si j'aurais été à ma place. Ça aurait été beaucoup mieux, ça c'est sûr et certain. En tout cas, défaite. Est-ce que c'est fini pour la compétition? Je sais pas du tout, je pense pas. Je pense qu'il faudra obligatoirement gagner le prochain match pour ça. On va voir ce que ça donne. Là, en tout cas, on n'est pas content. 68 points de personnalité, en quoi j'en sais rien, parce que j'ai rien montré en personnalité. Des débuts presque parfaits, donc ça c'est pas nous. Pas de nouveau mail, bah écoutez les gars, on va continuer pour le match.
Ça, cette fois, c'est... Ah non, ok, c'est toujours la compétition européenne. Donc, on affronte Cremonese. J'aimerais bien voir combien on est, c'est vous. Ok, là. Ok, ah ouais, mais on est beaucoup. Et c'est les deux premiers qui passent. Pour l'instant, on passe. Grâce au goal à Verratti. Mais c'est loin d'être fini. Cremonese, ils sont combien? Bah, ils sont même pas. Un problème, non? On doit être plus que 5, peut-être, je sais pas. Non, ça me semble bizarre. Moi, je comprends pas, mais vas-y. Hein. On va faire comme si on comprenait tout. Et on va y aller. Jouer match, les gars, on enchaîne indirectement, de toute façon. Ok, on joue 12 minutes cette fois-ci. C'est vraiment de moins en moins. Mais au moins, on rentre à notre poste. ATG avec Novakovic à mes côtés. On perd 1-0 encore une fois. Ce serait bien de le gagner celui-là. Mais en 12 minutes, ça s'annonce compliqué. On va voir ça, hein, ce que ça donne. Allez, merci à toi. On y va. Corner, bon c'est pour eux, mais faut la dégager. Ok, elle passe à côté, super. Je m'appuie encore. Il peut y aller. C'est super. Ok, il me la met. Ah putain, je me bats. Oh, allez, allez, putain. Ok, ça revient. Non, allez. Oh, que c'est mal joué. Ok. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouh là 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 là, si on l'encaissait. Allez, tu m'as vu? Putain, elle est mauvaise. Ça passe. J'essaie de me battre. Je la décale, superbe. Si t'arrives à me trouver en retrait, putain, mais c'est quoi ton invention là? Aïe aïe aïe, ouh là 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 là. Bien. J'y vais, côté. Allez, le pressing. Putain. Aïe aïe aïe. Défaite 1-0 les gars, c'est compliqué en 12 minutes hein, de faire quelque chose, surtout avec pour l'instant logiquement le joueur nul que j'ai. Regardez-moi sa coupe. Putain, c'est dur. Hein. Après, ouais, il reste quelques matchs, je crois, pour pouvoir monter. Enfin, au rang supérieur, on va dire. En tout cas, deux défaites d'affilée. Ça commence à peser lourd dans la balance. Et je suis en réserve. Je pense qu'on va aller faire l'entraînement, les gars. Pour pas être en réserve quand même. Ce serait con. Ok, en simulant l'entraînement, les gars, j'ai réussi à être remplaçant. Donc c'est ce qu'on voulait. On a un message. Dernière performance. Tes dernières prestations ont vraiment été décevantes. Je ne peux pas te retenir dans l'équipe pour le moment. Encore moins te confier une place de titulaire. Il faut que tu te donnes à fond. À chaque séance d'entraînement, si tu veux retrouver ta place, tu dois travailler. Et la balle est dans ton camp. Ok, ouais, mais après, ça va être compliqué. Tu me donnes 10 minutes. Au moins 20. Franchement, j'en demande pas beaucoup. En tout cas, j'ai réussi à retrouver une place de titulaire. De remplaçant, pardon. Par contre, je pense que c'est fini la compétition européenne pour nous. C'est même sûr et certain. On va voir jusqu'où ça va nous emmener. Ok, le championnat déjà. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. On se concentre enfin pour l'essentiel. Ce sera, je pense, le dernier match de la vidéo, les gars. On sera remplaçant, du coup, comme j'ai dit. Une notification, ouais, logique, on n'est pas appelé en sélection, ce serait fou. Et du coup, qu'est-ce que je voulais voir? Donc ça, c'est bon. Progression joueur, est-ce que c'est là qu'on voit... On voit tout ce que je veux voir, ouais, nickel. On n'a pas de points, d'accord. On a 40 000 euros. Je sais pas à quoi ça peut nous servir, mais en tout cas, on en a. On s'en fout, ça, pareil. Bah, écoutez, on va y aller, hein, je pense. Activité, qu'est-ce qu'il y a? Niveau de personnalité, lire le livre d'une légende du club.
Qu'est-ce que c'est? Réfuter la critique, insister sur le fait que ce match était un accident, rappeler chacun, ouais. Poster sur les réseaux sociaux que vous n'étiez pas. Ça va après. J'ai 17 ans, quand même pas, je pense 18. Enfin, je sais pas. Donc, ça va hein, pour un jeune. Organiser une entrevue, non? Écoutez, on va se mettre. Ouais, rien, rien. Franchement, on va pas rajouter d'eau dans notre vin. Et on va y aller pour ce dernier match. On va pas jouer longtemps, j'ai l'impression, vu le faible taux de progression en tant que remplaçant. 9 minutes, les gars. Est-ce qu'en 9 minutes, je vais réussir à faire la différence à l'extérieur contre Regina? C'est ce qu'on va voir. Je rentre attaquant gauche. Allez, pas d'excuses. 9 minutes pour prouver que j'ai ma place. Même si j'ai déjà fait une passe D en 3 matchs, hein, c'est pas mal. Même pas 3 matchs vu le nombre de minutes. Mais faut y aller, les gars. On commence en phase défensive. Attention, ça peut faire mal s'il arrive à trouver un retrait. Oh là là, quelle catastrophe. 2 minutes après mon entrée seulement, le 2-0. Ça s'annonce compliqué cette première saison, si vous voulez mon avis. Vu le but pourri qu'on vient de se prendre là. Putain, j'espère qu'il la prend pas entre les jambes quand même. Ce serait fou, hein. Allez. Ok. On y va à côté. Je peux y aller en vitesse. Je tente le centre. Il n'est pas dégueu, ça arrive en retrait. Ok. C'est pour moi. Je la décale côté. C'est bien fait. Très bien fait. Oh là là, ce qui gâche comme occasion. Putain, quelle catastrophe. Ok, ça me revient dessus, c'est pas mal. Bien joué. L'appui. Il me la met. Oh, je m'y attendais vraiment pas. C'est pas fini, je l'ai encore, je m'y attendais pas, putain, vas-y. Il la met trop vite, j'ai même pas le temps de prendre une décision. Allez, pas d'excuse cette fois-ci, je la décale. Allez, fini, fini, la passe D, elle est pas mal, l'égalisation. Cette fois-ci, je m'y attendais, il a fallu 3 ballons pour que je m'y attende, c'est beaucoup, mais en tout cas, on égalise, c'est l'essentiel. Est-ce qu'il est content, l'entraîneur? On va voir ça. Oula, il a pas l'air aux anges. Après, je sais pas si c'était le nôtre, peut-être pas. Ok, il me la rend direct. Ok, par-dessus la défense, pourquoi pas? Putain, dommage, je l'ai tenté. Ok, encore pour moi. Je l'ai vu sur le côté. Tu m'as vu en profondeur? Je l'enroule. Eh ouais, putain, mais c'est quoi ce ballon en profondeur pourri qui me met? Ok, je tente de partir dans le dos de la défense et réussi. Le dernier face-à-face du match. Je la mets tout en douceur pour le premier but. Obligé de marquer dans la première vidéo. Voilà l'entraîneur. Ah, là, tu me kiffes. Hein. Là, on fait plus le difficile. Eh bien, il faudra me donner une place de titulaire, s'il te plaît. Et comme ça, on pourra rester en très bonne relation, nous deux. Magnifique. On fait vibrer tout le stade alors qu'on est à l'extérieur. Franchement, je l'ai mise en finesse, les gars. Je sais que ça passe cette année. Je me suis pas cassé la tête. Et j'ai bien fait parce que c'est dedans. Le gardien ne peut rien faire. Putain, elle est toute pourrie, mais elle y va. Magnifique, voilà. Il peut être content. Ça, c'est pas mal pour la miniature. Bien vu, bien vu. On va voir ça un peu. Ok, un but en un match. C'est vrai, en plus, en vrai, c'est le premier match de championnat, techniquement. Il me fallait juste des petits matchs de chauffe. Là, je suis rentré. Un but, une passe D. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Et on va finir là-dessus en plus. Et voilà, la fin du match, les gars. Je rentre. Et en l'espace de 2 minutes, une passe D, un but qui nous permettent de gagner ce match. Ok. On va passer. Super, en tout cas. C'est un beau match. Et ça se finit très très bien, je pouvais pas vous laisser repartir de cette vidéo comme ça. Ok, pas mal de résultats. Bon, le classement, je pense que ça importe peu pour l'instant. Homme du match. Incroyable. Putain.
Franchement, là, j'ai mis à l'amende toute l'équipe en rentrant 9 minutes et en ayant le trophée d'homme du match. Vraiment, c'est fou. On va se mettre les points de compétence. Qu'est-ce qu'on va mettre? J'hésite. Peut-être. Non, peut-être pas la vitesse, je sais pas. Je sais pas trop. Donc, pour qu'il soit lenti, il faut que je mette surtout de la force pour le moment, je pense. Voilà, on va mettre force endurance. Et la force de gauche. On verra où ça va nous mener. Ça, c'est fait, les gars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le calendrier, on le verra dans la prochaine vidéo. J'aimerais bien voir le classement. Je sais pas du tout où est-ce qu'on le voit. Enfin, en tout cas, notre classement. Ah, voilà. Ok. On est sixième pour le moment. Bon, c'est normal, hein, il n'y a qu'un match. En tout cas, on se doit d'être dans les deux premiers pour monter directement. Ce serait le top. Après, j'imagine qu'il y a des places qualificatives. Je ne sais pas si c'est vraiment jusqu'à la 8e place comme ceci. Mais en tout cas, il y en a. Donc, on est pas mal pour une première vidéo. On a tout vu, nickel. Mais écoutez, les gars, on va s'arrêter là-dessus. N'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo pour m'apporter votre soutien et me montrer que vous êtes content de revoir cette série. N'hésitez pas également à vous abonner, ça ferait super plaisir pour aller jusqu'aux 1000 abonnés. Ce serait incroyable. Merci à tous en tout cas. Et moi je vous dis à très vite, à la prochaine.